Bonjour à tous, on se retrouve près de Poulette. Et oui, elle a changé de cage puisque les petits ont grandi, ils étaient un petit peu à l'étroit dans le petit clapier. Et maintenant ils sont dans une mue, une cage que l'on peut déplacer dans l'herbe. Donc les voici avec Poulette. Regardez comme ils ont bien grandi. Oups. Alors je vais leur donner à manger. Un petit peu de graines. Tenez les petits. Alors il faut savoir que Poulette, il y a tout juste un an, eh bien elle naissait. Poulette vient d'un œuf que m'avait donné mon ami Jean-Pierre. Et je l'ai mis sous une poule qui couvait. Et Poulette, il y a un an, elle était aussi grosse que ses poussins. Et maintenant, c'est une maman. Alors ces poussins, on peut commencer à voir un petit peu si ce seront des mâles ou des femelles. Alors, je vais essayer d'en attraper pour vous montrer. Poulette n'aime pas trop, comme d'habitude. Alors on va regarder simplement. On peut déjà voir que les mâles ont déjà une petite crête, alors que les femelles n'ont pratiquement pas de crête. Voilà, si je prends celui-ci, ce sera un mâle. Vous voyez sa crête là? Voilà, je te rends. Voilà, donc ceux qui ont les plus grosses crêtes seront des mâles. Et vous voyez qu'ils ont tous des coloris différents. Oui, Coco, on s'occupe de tes poussins. Donc voilà, Poulette va continuer à s'en occuper encore. Elle les réchauffe encore quand il fait trop froid sous ses ailes. Et puis bientôt, eh bien, je vais ouvrir la cage. Ils vont pouvoir aller avec les autres poules dans le poulailler. Et puis Poulette, après, ne s'en occupera plus parce qu'ils seront déjà grands. Voilà, à bientôt pour d'autres nouvelles de Poulette.